Bonjour, c'est José. Un abonné m'a demandé en fait pour mettre l'adresse IP de la caméra en fixe. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo-là. Donc déjà, on va essayer de chercher la caméra sur le réseau. Donc il faut trouver son adresse IP. Pour trouver l'adresse IP d'une caméra Daiwa, on utilise le logiciel Config Tool. Alors le lien de ce logiciel-là est dans la description hein, pour pouvoir le télécharger. Et vous voyez, le logiciel m'a automatiquement trouvé la caméra sur le réseau. Donc clairement, ma caméra a l'adresse 192. .168.1.115. Donc j'aurais pu accéder à cette caméra via ce lien-là, mais en fait on peut utiliser n'importe quel navigateur. Là en l'occurrence je vais utiliser Firefox. Donc vous allez voir si je tape 192.168.1.115, hop, 115, j'atterris sur l'interface de connexion de ma caméra. Donc je vais me connecter, hein. Hop, je rentre le mot de passe. Voilà, donc pour accéder aux réglages de la caméra et notamment ses réglages réseau hein, pour modifier l'adresse IP, on va dans l'onglet Settings. Alors quand c'est en français, c'est Réglages. Et ensuite, dans le menu à gauche, vous avez Network, donc réseau. Et vous allez dans le menu, le sous-menu TCP/IP. Et c'est à cet endroit-là qu'on retrouve notre adresse IP. Donc en fait, il y a deux façons de déterminer l'adresse IP en statique, donc fixe, c'est nous qui la déterminons. Là, je peux taper n'importe quoi. Allez, on va la modifier tout à l'heure. Je mets 150 par exemple. Mais sinon, je peux la mettre en DHCP. Si je clique sur DHCP, vous voyez, je ne peux plus taper et déterminer mon adresse IP. C'est le routeur ou la box qui est sur le réseau qui va déterminer l'adresse de la caméra. Si cette caméra est reliée bien à la box ou à ce routeur, hein. Il faut que ce soit sur le même réseau, bien sûr. Donc là, c'est en statique, j'ai pas la main dessus, c'est le routeur ou la box qui. Pas en statique, pardon, en DHCP, c'est la box ou le routeur qui détermine l'adresse IP. Si je veux fixer moi-même et déterminer moi-même l'adresse IP de ma caméra, je mets en statique et je tape moi-même. Je peux mettre après, choisir la passerelle, etc. Petite astuce, la passerelle en général, mettez bien la même passerelle que votre box internet ou que votre routeur. Voilà, la même adresse que le routeur ou que la box. Je vais sauver. Donc le changement va être assez rapide. Vous voyez, ben en haut, c'est passé de 115 à 150. Donc je vais retourner dans mon petit logiciel Config Tool. Et là aussi, il me retrouve la caméra en 150. Donc voilà, petit rappel rapide. Donc je me connecte à ma caméra. Je vais dans le menu Réglages ou Settings. Le menu Network ou Réseau. Sous-menu TCP/IP. Et tout se passe là pour l'adresse IP. Donc voilà, après l'adressage en lui-même de l'adresse IP, il faut faire attention bah, sur quel réseau on est, qu'est-ce qu'on veut faire, etc. Ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Mais voilà, pour la rendre statique, c'est ici. Pour la rendre, on va dire, déterminée par le routeur ou la box, c'est ici. Voilà, merci de m'avoir suivi.